Vous savez que si vous prêtez trop l'oreille à un proche en souffrance, ou même à un collègue de boulot qui vous raconte ses soucis, ses problèmes, ses galères, ses ennuis, eh bien vous pouvez vous-même faire une fatigue compassionnelle. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un état d'épuisement très proche du burn-out, fatigue persistante, trouble de l'humeur, stress. C'est pour ça que moi... Ah ouais, mais bon... Ah. Oh putain, Eric. Oh, ça tombe bien que tu sois là, putain, je suis dans la merde, vieux, putain. Je suis dans une galère. Ma femme m'a quitté, elle est partie avec ma belle-sœur. Ouais, hein. Ils m'ont enlevé ma voiture à la fourrière ce matin. Je suis arrivé en retard au boulot. Le patron m'a dit que c'était mon troisième avertissement qu'après il dirait. Ma fille, elle est partie avec son mec. Ils ont fui. Oh. Elle a 3 ans et demi. Mon chien a des hémorroïdes. Putain, je suis dans la galère. Ah ouais, la vraie galère. Hein. Pas de chance. Hein. Bonne journée. Salut. Bah attends, j'ai pas envie d'être fatigué compassionnellement. Déjà que moi, je suis fatigué de naissance. Oh putain, le revoilà.